C'est la mairie de Kermassar, dans la banlieue dakaroise, qui a abrité la cérémonie officielle de lancement du projet de sensibilisation, de distribution de kits d'hygiène à 300 familles et de résilience à la COVID-19 sous le thème « La voix des jeunes compte dans la lutte contre la COVID-19 ». Une manière pour les volontaires de l'Union européenne et France Volontaire Sénégal de s'associer au plan de riposte des jeunes pour briser la chaîne de transmission de la COVID-19. Donc c'est-à-dire que notre action va fermer quand même un point de l'âge qui est troué. Donc on ne peut pas ratisser l'âge, mais déjà en choisissant 300 familles, c'est déjà quelque chose. Donc si, comme l'a dit le MC, si tout le monde pouvait venir et fermer les trous de la jarre, l'eau ne va plus verser. Donc ça veut dire qu'on ira vers une résilience. Une résilience à laquelle travaille ardemment le gouvernement du Sénégal face à l'augmentation fulgurante des cas communautaires. Vous, les jeunes, vous constituez le fer de lance de cette lutte. Vous êtes peut-être les plus immunisés, vous résistez plus que les adultes. Vous avez la force. Et donc, le fait d'être soutenu par une organisation France Sénégal, Volontaire Sénégal, est un atout pour le ministère, qui chaque jour s'active dans la lutte. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'organisations de jeunes sur le terrain, énormément d'organisations. Chaque fois, en voyant, nous recevons des vidéos, et vous, vous consultez justement l'une de ces organisations de lutte contre ce virus. Le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus le 2 mars 2020 et en est actuellement à près de 5000 cas déclarés positifs, près de 3000 guéris, plus de 50 décès et près de 1800 sous traitement. La mère a toujours dit que pour combattre ce virus-là, ce n'est pas uniquement les dons alimentaires qui peuvent le faire. Ce qui peut faire vraiment, ce qui peut combattre vraiment le virus, c'est les produits sanitaires, les barrières qu'on doit mettre en place pour pouvoir combattre ce virus-là. Parce que c'est un virus qui est très, très dangereux. Malheureusement, on ne le prend pas au sérieux au Sénégal, mais c'est comme ça. Donc, votre démarche, on le salue. On salue votre démarche parce que si tout le monde faisait comme vous aujourd'hui, je pense que le virus sera... On peut dire que le virus sera vraiment, ne sera pas présent dans notre commune. Malheureusement, le virus est bien présent dans notre commune. Si l'on se fie au rapport de situation du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Kermassar en est à une vingtaine de cas confirmés. Une brève présentation de la cellule de riposte. La cellule qui a été créée depuis le 2 avril. Et cette cellule qui a été créée sous l'impulsion du consortium Sénégal de la Commission africaine de la jeunesse, qui a été aussi implantée ici au Sénégal depuis le mois de juillet, donc en moins d'une année que nous sommes ici au Sénégal. Et depuis lors qu'on a créé la cellule, on a mené pas mal d'activités. Et cette cellule, composée de 50 organisations de jeunes, et aussi des personnes à titre individuel. Nous avons essayé, nous aussi, à notre niveau, et on se dit qu'on est des jeunes. Donc aujourd'hui, on avait vu qu'il y avait beaucoup d'activités que les jeunes faisaient, mais quand même, c'était dispersé. Donc nous aussi, on s'est dit, pourquoi pas ne pas mettre en place soit une cellule qui permettra à toutes les organisations qu'on soit regroupées, comme ça, on aura les mêmes idées, on va faire les mêmes activités, et on présentera le même rapport. À en croire les derniers chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la commune compte 138 quartiers pour près de 600 000 habitants. La force est de reconnaître que nous sommes tous exposés. Pourquoi ? Vu la taille de la commune, vu la densité de la population, vu l'agglomération. Sur ce, on vous en remercie de bien vouloir prendre Kermassar comme vos priorités, comme vos cibles. La jeunesse également qui est là. Parce que donner, accompagner 300 familles, c'est accompagner des centaines de jeunes. La commune a un pourcentage de jeunes très élevé. France Volontaire est la plateforme française des volontariats internationaux d'échange et de solidarité. France Volontaire, c'est une association française qui a été créé depuis 1963. Donc, comme vous avez pu l'entendre, donc le siège se trouve en France,
Avant, on ne s'appelait pas France Volontaire, on s'appelait Association française des volontaires du progrès. Donc France Volontaire, depuis sa création, a pour objectif de promouvoir, d'envoyer des volontaires à l'international, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays, et également de promouvoir le volontariat français dans toute sa diversité. Créée en 2009 sous la forme d'une association, France Volontaire est le fruit d'une construction partagée entre des acteurs publics et associatifs impliqués dans la solidarité internationale. Donc le projet, il est financé, comme je vous le disais, par l'Union européenne. Il est dirigé par France Volontaire dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un projet donc régional qui se met en place au Togo, en Guinée et au Sénégal. Et ce projet, il envoie 30 volontaires européens. Donc il n'y a pas que des Français, il y a aussi des Belges, des Espagnols, des Italiens. Donc dans ces 3 pays, avec comme objectif de participer à des activités de résilience, en fait, dans le but d'aider les populations à être un peu plus résilientes face aux crises et aux catastrophes qui pourraient survenir dans ces pays-là. Donc ce projet, il a une durée de 2 ans. Il est bientôt fini. Il se terminera normalement en octobre, mais il a été prolongé, d'ailleurs, jusqu'en janvier 2021. L'événement Grandeur Nature a nécessité une logistique très lourde, doublée d'une synergie d'action. Si on en est arrivé là, c'est parce que il y a eu des personnes de bonne volonté, des organisations de bonne volonté qui se sont donné corps et âme pour que cette action puisse se réaliser. Parmi ces organisations, il y a les représentants de France Volontaire qui ont financé l'activité à hauteur de 5 millions. Il y a la cellule de riposte grâce à qui ce partenariat a pu être ficelé. Les 30 volontaires européens du projet Avenir, déployés dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest et associés à des volontaires nationaux, contribuent à renforcer la résilience des populations face aux crises sanitaires, alimentaires et aux risques liés au changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes c'est la crise, hein, c'est le coronavirus. Demain, ça peut être l'érosion côtière. Et l'assainissement, vous savez que quand il pleut chaque année, l'hivernage, à partir de juillet, quand il pleut, Dakar est inondé. Mais quel est l'apport des jeunes? On peut aussi mobiliser les jeunes pour aller assainir les quartiers, pour faire du reboisement. Nous étions en juillet l'année passée à Koubalan et en Casamance pour vous reboiser la mangrove. Les organisateurs ont ensuite procédé à une remise symbolique de dons à 2 familles. Gisuma ben yon ñi wax nit ñi nañuy désinfecter sen dal yi gisumako té pourtant dal yi day jël virus nga dem ci hôpital wala nga dox ci mbéd yi sa dal bi day jël microbe bu mënti doon bo démé ci grande société yi ñom dañuy am liquide buñu tek ci buntu bi bo duggé ak sa dal dañ koy désinfecter nga doora dugg ci biir. Puis la délégation s'ébranle vers les 3 quartiers ciblés de la commune de Kermassar, la zone de regasement, El Hadj Pâté et Boune. 300 familles choisies de façon transparente du fait de leur vulnérabilité ont reçu un kit d'hygiène composé de savon, gel hydroalcoolique, gel madar, désinfectant jetol, masque et eau de javel. Fim tollu ni parce que ko ne xamna ne coronavirus ak sabu ak cotton ak eau de javel ño and parce que lolou lañu diglé pour que génn bo ñëw raxasu boy dem raxasu ñu koy utiliser dafa bëñ kon su ñëw défé taxaway bi ñu tan ci contane en tant que badi lu ko xam contane na ci torop te sen bi gatché contane na ci dañ koy rafetlu di xam ni manam comme fièvre bé tax mu juk té fièvre mo manam ñëpp ko wara xex rawati na jeune yi zone yek xalé yi ñoo ci gëna wara mëna farlu mën ko gëna xex bu ñu ndé ay ndimbal yo xamné pour xex fièvre bi la xama jappalé wa katché bi xama lool dañ koy rafetlu bu baax baax ta xamni lu am solo la wa di profito di wax occasion di wax ndaw ñi ak jeune yi ñu profito manam gëna fagaru baña bayé ko gëna fagaru baax xex fièvre bi xama ku nekk jumtukaay yi ministre bi diglé nga gën ci baye xel xama gën ci gor gorlu xama
La pandémie COVID-19, une des pires crises sanitaires mondiales de notre époque, a fini de mettre à nu la faiblesse humaine. C'est pourquoi l'Union européenne, dans le cadre du projet Action des volontaires européens et nationaux investis pour la résilience, Avenir, coordonné par France Volontaire au Sénégal, a misé sur une solidarité agissante.